sports. It's in the game. Find it. Wonder what Optimum Prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will. Do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Bit a big happy love for the betcha I chill. Flow. How the world is. Nah, they don't know me. They don't know. They can't hold me. They can't hold. They box, they box, they talk, I know the show. Please believe me. They deceive me. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me. And it all comes rushing back.
Bonjour à toutes et à tous, Pierre Ménès et moi, on va vous commenter ce match international. Bon match Pierre, a priori. Oui, deux grandes nations de football vont s'affronter aujourd'hui. C'est un match amical entre ces deux sélections, mais on peut s'attendre à du spectacle. Et pour ce match, on va retrouver l'Italie face à l'Angleterre. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. L'entraîneur qui fait signe à l'arbitre qu'il veut procéder à un double changement. Il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc. En jouant dans la surface, ce sera un bon début. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Nicolò Barella, Marco Verratti. Acerbi. Jorginho. Federico Bernardeschi. Sterling, Harry Kane, Rashford, Anderson, un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Tiens, voici deux joueurs qu'on va suivre très attentivement dans ce match, Pierre. À la limite, on pourrait même parler de match dans le match entre ces deux individualités. Ça devrait être très intéressant à suivre. Un ballon pour l'adversaire. Ben Chilwell. John Stones. Anderson. Verratti à présent. Kieran Trippier. Declan Rice. A complètement raté cette passe. Marco Verratti. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Il n'utilise pas le ballon, il le perd. Bernardeschi. Ah, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ballon rendu à l'adversaire. Harry Kane.
Ouais, non, le gardien qui ne se laissera pas surprendre hein, par ce tir lointain. Allez, attention, parce que la voie est assez libre là pour l'Italie. Allez, le centre maintenant. Immobile. Là, l'Italie qui marque. L'enchaînement parfait sur ce but. Ouais, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Les Italiens qui mènent au tableau d'affichage. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Un ballon qui est rendu au camp adverse. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Jorginho. Florenzi. Nicolo Barella. Un ballon pour l'adversaire. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Anderson. Ouais, il a pris sa chance de loin hein, sur cette frappe. Sans aucun problème pour le gardien de but. Jorginho. Nicolo Barella. On va construire en passant sur les côtés. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Ouais, la frappe lointaine. Ballon bien négocié par le gardien. John Stones. Harry Maguire. Le ballon rendu à l'adversaire. Ça sera une touche pour l'Angleterre. Rashford. Sterling. Attention, ça peut devenir intéressant. Attention, il peut centrer. Harry Kane. Un tir complètement raté qui passe très très loin du cadre. Ouais, c'est bien défendu là. Les défenseurs ont bien gêné l'attaquant sur cette action. Florenzi. Nicolo Barella. Les Italiens, ils profitent de l'avantage laissé par l'arbitre. Federico Bernardeschi. Ouais, jolie conservation du ballon. Immobile, attention. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué, il a raison de tenter. Hein. Ah non, c'est mal négocié. Rashford. Et le ballon est récupéré en force de harceler l'adversaire. Les supporters anglais ne reconnaissent plus leur attaque. Il y a quand même un gros manque devant. Ouais, très bon tacle, il récupère le ballon. Ah, il y avait une faute, mais l'Italie continue son action. L'arbitre laisse jouer. Immobile. Bernardeschi. Ouais, il a dribblé. Le centre au second poteau. Ouais, non, c'est pour personne. Ouais, ça va sortir. Corner. Ah, il est bien tiré le corner là. Ce sera une touche pour les Anglais. Sterling. Allez, la voie est libre pour Sterling. Attention, le centre.
Le gardien qui repousse, attention. Oui, dans la surface, Marcus Rashford. Le but qui part d'un mauvais ballon, provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas, il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire. Et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. On va peut-être assister à un changement parce qu'il a l'air de souffrir d'être touché. Il poursuit son action. Eh oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Excellente intervention. Federico Bernardeschi. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Ouais, ça s'arrête là. Bien joué. Harry Kane. Attention à la contre-attaque. Et le contre n'ira pas plus loin. L'adversaire récupère. Federico Bernardeschi. Harry Kane. Sterling. Allez, vers la surface, il y a du monde. Et la bonne sortie. Le gardien. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. La passe est interceptée. Nicolò Barella. Cherche la faille dans la défense adverse. Le centre. Oh, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre! Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. L'engagement avec des Anglais, donc désormais mené au score. Sterling. S'il avance balle au pied. C'est un centre pour Harry Kane. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Harry Kane. Harry Kane qui frappe. Le gardien qui repousse. Immobilier. Quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Anderson qui va chercher la zone du point de pénalty. Le ballon qui est dégagé. Et la mi-temps qui vient d'être sifflé par l'arbitre. We'll be right back.
Au début de la seconde période, avec les Anglais qui engagent. Anderson. Jadon Sancho. Un danger qui se précise peut-être. Sous la pression de l'adversaire. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Insigné. Immobilé. Le type d'Angleterre qui reprend la balle. Bien joué. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ah ouais, il est passé. Joli geste. Techniquement, c'est fort. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Attention à cette action anglaise. Sancho. Oh, il attrape le poteau. Bon, on va enfoncer des portes ouvertes, mais vraiment, ce joueur a fait une première période absolument exceptionnelle. Il est l'auteur d'un doublé qui a pesé sur le déroulement de cette première période. Du coup, c'est clairement son équipe qui a le match en main. Harry Kane. Bien repoussé par la défense. Ouais, faute, indique l'arbitre, coup franc pour l'Italie. Florenzi. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Harry Kane qui poursuit. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Ouais, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Contré. Nicolò Barella. Kane. Attention le tir. Oh, la parade exceptionnelle. Oh, quel arrêt. Ah, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Harry Maguire. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Rashford. Il avance balle au pied. Elle est contrée cette frappe. Les Italiens, ils profitent de l'avantage laissé par l'arbitre. Allez, attention parce que la voie est assez libre là pour l'Italie. Insigné. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Anderson. Et le ballon dans les pieds italiens maintenant. Il cherche une solution. Ouais, ça passe pour lui un peu trop facilement quand même. Hein. Ah, c'est pas une défense, hein, derrière. Immobilé, attention. Oh, le but, oui. Mais c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Mais plus rien ne l'arrête, hein. C'est déjà son troisième but aujourd'hui. Ah, il y a des jours comme ça où tout marche, ou presque. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Ah, la bonne qualité de ses passes. Sancho. Ah, le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Un ballon perdu par Marco Verratti. Et ce ballon est intercepté. Immobilé. Ah non, la mauvaise passe. Nicolò Barella. Rashford. Il y va tout seul. Non, ça c'est très mal joué. Ça c'est très très mal joué, il était tout seul face au gardien. Qu'est-ce qui lui prend aussi d'envoyer une menace comme ça? C'est gâché, c'est gâché. Ballon perdu à l'adversaire. Federico Bernardeschi. On va admirer la technique. Ouais, alors, la classe, et puis alors sans problème. Hein. Tout dans le velours. Récupération et peut-être une action dangereuse. Mais non, il rate le cadre. Rashford.
Ouais, très bon tacle. Verratti. Oula, il a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. Verratti. Eh non, la passe est interceptée. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Ah, c'est superbe surtout parce que c'est tellement spontané. Il remporte son duel. Ah, il est facile. L'équipe d'Angleterre qui reprend la balle, bien joué. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Il y a un tacle réussi de plus. Très bien joué de sa part, gros match. Harry Kane. Bon tacle. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Immobilier. Ouais, ça c'est bien taclé. Kane. La Squadra Azzurra qui a bien défendu. Il va pouvoir lancer le contre. Contre-attaque peut-être. Allez, il peut s'échapper là. Ah, la contre-attaque qui finalement ne donne rien. Ah, c'était bien joué, mais il faut progresser dans la finition, sinon ça sert à rien de jouer les contres. Et le ballon dans les pieds italiens maintenant. Oh, le gros exploit personnel, attention. Oh, le poteau. Insigne qui centre. Oh, mauvaise relance. Ça, ça peut devenir dangereux. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Nicolò Barella. Oh, il arrive. Oh, quel plongeon superbe. Ah non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Il faut trouver l'ouverture. Oh, bah, heureusement qu'il était là. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, bien fait, il élimine le défenseur. A complètement manqué ce centre qui file direct en touche. Sterling. Harry Kane. Immobilier. Ouais, la tentative. Le but de Chiro Immobilier. On a tout de suite vu qu'il était bien placé là pour marquer. Ah, quel match il est en train de nous faire. Bah, on peut pas faire mieux, Harvey. C'est du 100% tout simplement. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Ah, il fallait tacler et bien jouer. Joueurs anglais et qui reprennent ce ballon. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Gianluigi Donnarumma. Emerson. Nicolò Barella. Ouais, une vilaine passe directement à l'adversaire. Harry Kane. Et encore un bon tacle. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ça ne donnera rien. La défense est bienvenue. Les joueurs anglais qui reprennent ce ballon. Verratti. Ouais, il est passé, bien joué. Ah, il a du ballon, le bonhomme. Hein. Ça, c'est pas... Décidément, c'est un petit peu cadeau. La mauvaise intervention, là. Et l'arbitre qui siffle.